Bonjour à tous et bienvenue. Donc, suite aux vidéos que j'ai proposées sur la chaîne qui concernent les systèmes de coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques, sphériques, et également j'ai proposé une série de TD corrigés sur ce thème et beaucoup de commentaires demandent une autre série sur ce sujet. Donc voilà, je propose ici une autre série de TD sur les systèmes de coordonnées et sur les opérateurs vectoriels. Comme premier exercice, je vous propose de l'exercice suivant. Connaissant les composantes d'un vecteur en coordonnées cartésiennes, les composantes de ce même vecteur en coordonnées cylindriques, on vous demande d'exprimer les composantes cartésiennes en fonction des composantes cylindriques. Deuxième question qui est très importante pour tout ce qui est cinématique en cours de mécanique, c'est d'exprimer la dérivée de vecteurs ER, ORO, θ et EZ par rapport à θ. Et à partir de là, de déterminer la différentielle de ORO, la différentielle de θ, et puis déduire le déplacement élémentaire d'ORM. Bien, comme deuxième exercice, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour les coordonnées sphériques. On vous demande d'exprimer la dérivée de chaque vecteur de la base des coordonnées sphériques en fonction de θ φ. Là aussi, ce sont des relations très très importantes pour tout ce qui est cinématique. Ensuite, de déduire la différentielle de ER, différentielle de θ et différentielle de φ. Et à partir de là, déduire le déplacement élémentaire que j'ai déjà expliqué dans la ancienne vidéo, mais avec une méthode beaucoup plus moins mathématique. Bien, l'exercice 3, on vous demande, connaissant les coordonnées d'un point en coordonnées cartésiennes, déterminer ses coordonnées en cylindrique et en sphérique. Exercice très classique à savoir. Un exercice 4 sur le gradient, on vous donne une fonction, plusieurs variables, et on vous demande de calculer son gradient. On va le faire par deux méthodes. Et enfin, dernier exercice, on vous dit de montrer que si un vecteur dérive d'un potentiel vecteur, ce qui est le cas du champ magnétique, ça veut dire si V égale à rotationnelle de A, alors la divergence de V égale à 0. Donc voilà ce que je propose pour cette série. Donc allons-y, commence par premier exercice. Je rappelle les coordonnées cylindriques. Donc c'est ρ, qui est la distance entre O et la projection. Donc voilà un point M quelconque de l'espace. On le repère par cette coordonnée-là qui est ρ, qui est la distance entre le centre O du repère et la projection du point M dans le plan XY, qu'on entend en général petit m. Ensuite, de l'angle θ, qui est cet angle-là, et de la coordonnée Z, qui est cette distance-là. D'accord? Z ou bien celle-là. La base cylindrique, c'est ρ, θ qui lui est perpendiculaire, et z qui est le vecteur classique des coordonnées cartésiennes. Bien, donc voilà un vecteur qui a pour composante ρ, vθ et v de z. Pour l'exprimer en fonction de la base ij, il suffit d'exprimer ρ dans la base ij, θ dans la base ij. Pour k, elle est déjà exprimée dans la base ijk. Pour exprimer ρ dans une base ij d'une façon générale, c'est ρ scalaire i suivant i plus ρ scalaire j suivant j. Donc voilà le vecteur ρ. Le produit scalaire ρ scalaire i, vous voyez bien que c'est cosinus l'angle entre ρ et i. Voilà le vecteur i, donc c'est cosinus θ. Et ρ scalaire j, c'est cosinus cet angle, c'est-à-dire pi sur 2 θ. Donc sinus θ. D'accord? L'angle entre ρ et J, c'est cet angle-là, et cet angle-là, c'est pi sur 2 moins θ, parce qu'ici, vous avez l'angle θ, il est là. Donc ici, c'est pi sur 2 moins θ, et cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc ça, c'est des choses absolument à savoir, trouver soi-même rapidement. Bien, donc la même chose au θ, donc pour projeter au θ dans la base I et J, donc voilà la base I, et voilà la base J, vous voyez bien que θ, c'est cosinus θ suivant j, hein, cosinus θ suivant j, ensuite sinus θ suivant ce vecteur qui est moins i, donc moins sinus θ suivant i. Donc,
Voilà, je remplace euro ici par sa valeur. Voilà, euro par sa valeur qui est cosinus θ plus sinus θ sur J. Et remplace θ par sa valeur qui est moins sinus θ plus cosinus θ. Ensuite, on va mettre tout ce qui est i en facteur, j en facteur. Voilà. Et par analogie avec l'expression de V en coordonnées cartésiennes, je déduis x est égal à cette composante, y est égal à cette composante et z est égal à v de z. Donc voilà la relation entre les composantes du vecteur V en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques. Bien. Deuxième exercice, on vous dit d'exprimer la dérivée de chaque vecteur au ρ, au θ par rapport à θ. Donc, il suffit de se rappeler quelle est l'expression de Eθ, euro, pardon, c'est cosinus θ suivant i plus sinus θ suivant j. Vous voyez bien que Eθ, euro ne dépend que de θ. Donc, sa différentielle, sa dérivée partielle par rapport à θ. Donc, je dérive cosinus, c'est moins sinus. Je dérive sinus, c'est cosinus. Or, ce vecteur, c'est exactement Eθ. Donc, voilà, parce qu'on l'a déjà calculé tout à l'heure. Donc, vous voyez que la dérivée de ρ par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc, vous avez ρ et Eθ. Voilà. Et bien sûr, ici, la base ij. I, ij. Et l'angle θ, elle est là. Donc voilà, la dérivée de ρ par rapport à θ, c'est Eθ. C'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. On tourne dans ce sens-là. Maintenant, on veut chercher la dérivée de ce vecteur par rapport à θ. Donc ce sera un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc ce sera ce vecteur-là. Et donc ce vecteur, vous voyez bien, c'est moins ρ. Et c'est ce qu'on va trouver. Donc la dérivée de Eθ par rapport à θ. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus, moins cosinus θ. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Vous factorisez par 1 et vous allez trouver cosinus θ suivant i plus sinus θ suivant j qui est exactement le vecteur ρ. Et donc c'est aussi un vecteur qui lui est perpendiculaire. Voilà. Donc la dérivée de ce vecteur, ça vaut dans ce vecteur. La dérivée de celui-là, ça vaut dans celui-là. La dérivée de celui-là va nous donner celui-là. Et la dérivée de celui-là va nous donner celui-là. Très bien. Et bien sûr, k ne dépend pas de θ, c'est la base cartésienne. Donc la dérivée de i est égale à la dérivée de j est égale à la dérivée de k par rapport à θ égale à 0. Donc avec ça, on va exprimer la différentielle de ρ et de θ. Comme ρ et θ ne dépendent que de θ, donc la dérivée différentielle totale de ρ, c'est dérivée partielle de ρ par rapport à θ, fois d de θ. Donc ça, on vient de montrer qui est égal à Eθ, donc ce terme c'est Eθ, donc est égal à dθ, suivant Eθ. Dérivée différentielle de Eθ, la même chose, par définition c'est la dérivée de Eθ par rapport à θ fois d de θ, mais ça on vient de montrer que c'est moins ρ, donc c'est moins d de θ suivant ρ. Maintenant je peux exprimer la différentielle de ρm, donc c'est la différentielle de cette expression, donc ce sera la différentielle de ρ suivant ρ, plus ρ fois la différentielle de ρ, plus la différentielle de z suivant k, plus k fois la différentielle de k qui est égale à 0. D'accord? Bien, la différentielle de ρ, on vient de le calculer, c'est d de θ suivant θ, donc je le remplace par d de θ suivant θ, et puis la différentielle de z, je la laisse. Et c'est exactement le déplacement élémentaire d'un vecteur om, du vecteur om en coordonnées cylindriques. Vous voyez bien que la variation de ρ nous donne d de ρ. La variation de θ, ici il manque un d de θ, pas il manque ici, ça nous donne ρ d de θ, suivant θ, ça c'est ρ d de θ, il est là. Et la variation de z vous donne d de z. Et bien sûr, avec ça, vous pouvez calculer le volume élémentaire, par exemple, c'est le produit des trois, c'est ρ fois d de ρ, d de θ, d de z. Pour calculer la vitesse en coordonnées cylindriques, il suffit de diviser ça par d de t et ça va vous donner ρ point suivant ρ plus ρ θ point suivant θ plus z point suivant k. Bien, donc là on va passer à l'exercice 2. On va essayer de refaire la même chose mais pour les coordonnées sphériques. C'est un peu plus compliqué. Donc d'abord, il faut bien comprendre les coordonnées sphériques, donc le point M de l'espace et le repérer par sa distance à partir du centre qui est petit r,
Ensuite, phi qui est la même chose que l'angle θ des coordonnées cylindriques, d'accord? Et l'angle θ que fait le vecteur OM avec l'axe OZ. Donc voilà les coordonnées cylindriques. Vous voyez bien que θ varie entre 0 jusqu'à pi, phi varie entre 0 jusqu'à 2π, et le rayon varie entre 0 jusqu'à l'infini. Bien, la base cylindrique, c'est le vecteur ER qui est collinéaire à OM. Le vecteur θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Et ensuite, Eφ, c'est le vecteur perpendiculaire au plan formé par ERθ. Donc, pour mieux représenter ces vecteurs, il vaut mieux les représenter toujours dans des plans. Donc, si je travaille dans ce plan-là, le plan OM, OZ, donc ce vecteur-là en coordonnées cylindriques, c'était le vecteur quoi? C'était le vecteur E euro. C'était le vecteur euro. Donc si je travaille dans le plan euro OZ de coordonnées cylindriques, voilà, c'est le plan-là, ce plan-là, O petit m OZ. Vous voyez bien que OM, il est là. Donc il fait l'angle θ avec l'axe Z. Vous avez votre vecteur ER, il est là. D'accord? Et un vecteur θ qui lui est perpendiculaire. Donc ce vecteur dans le plan, c'est ORO. Donc ORO, il est là. Et EZ, il est là. Et avec ça, vous pouvez exprimer facilement ER dans la base ORO, EZ. Et θ dans la base ORO, EZ. Pour φ, le mieux c'est de se placer dans le plan OX, OY. Voilà OX, OY. Donc l'angle φ. Vous avez ici le vecteur ORO, il est là. Et le vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eφ. D'accord? C'est Eφ. Cet angle-là, c'est Φ. C'est le même que celui-là. Ici, vous avez π sur 2 moins Φ. Et donc, l'angle Φ, on le retrouve là. Et avec ça, on peut exprimer facilement ORO dans le, suivant ce vecteur-là qui est EY et ce vecteur-là qui est EX. Donc, suivant I et J. Donc, si vous avez bien compris ces deux plans-là, la projection des vecteurs ou bien la connaissance des vecteurs de la base cylindrique, sphérique en cartésien devient très simple. Donc allons-y, on commence par ER, donc il vaut mieux de travailler dans ce plan-là. Donc ER, c'est ce vecteur. Vous voyez bien qu'il est cosinus θ suivant ce vecteur-là, suivant Z. Ensuite, sinus θ suivant, donc sinus θ suivant ce vecteur-là qui est ORO. Sinus θ suivant ORO. ORO, c'est quoi? C'est cosinus phi suivant i et sinus phi suivant j. D'accord? Donc voilà. Donc voilà. Cosinus phi, ORO, c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Et j'ai maintenant le vecteur ER dans la base ijk. Donc la même chose pour θ. Donc θ, c'est ce vecteur. D'accord? Donc vous avez θ ici, vous avez π sur 2 moins θ. Donc θ, on le retrouve ici. Donc ici, vous avez π sur 2 moins θ. Donc ici, vous avez θ. Cet angle-là, c'est θ. Donc vous voyez bien que c'est cosinus θ suivant ORO, il est là. Et moins sinus θ suivant ce vecteur-là qui est z. Moins sinus θ suivant k. D'accord? Donc cosinus θ suivant ORO. Et moins sinus θ suivant k. Donc là, il suffit de remplacer aussi ORO par sa valeur, cosinus phi suivant i et sinus phi suivant j, et j'ai l'expression de Eθ. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eφ. Eφ, il vaut mieux travailler dans le plan XY. Donc vous voyez bien, Eφ, c'est ce vecteur-là. Donc cet angle, c'est phi. Cet angle, c'est phi. Donc ça, c'est π sur 2 moins phi. Et donc cet angle-là, c'est phi. Et vous voyez bien que Eφ, c'est cosinus phi suivant ce vecteur qui est j. Et moins sinus phi suivant ce vecteur-là qui est quoi? Qui est le vecteur i. Donc cosinus phi suivant j moins sinus phi suivant i, c'est exactement l'expression de Eφ. Donc voilà, c'est la base. Une fois qu'on a exprimé ORO, Eθ, Eφ dans la base cartésienne, je peux effectuer toutes les dérivées après très facilement. Par exemple, la dérivée de ER par rapport à θ. Donc voilà l'expression de ER. Vous voyez bien qu'il dépend cette fois-ci de θ et de φ. Donc la dérivée de ça par rapport à θ, vous dérivez juste cosinus, ça vous donne moins sinus. La dérivée de EZ, bien sûr, c'est 0. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Le reste, c'est constant. La même chose, dérivée de R par rapport à φ. Donc ce terme ne dépend pas de φ. Donc je dérive cosinus φ, il me donne moins sinus φ. Et sinus φ, ça donne cosinus φ. Donc même chose pour Eθ.
Je dérive par rapport à θ. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus θ. Moins sinus θ. Donc je dérive ce terme d'abord. J'ai commencé par celui-là. Dérivée de sinus, c'est moins cosinus. Bon, des fois je note k, des fois z. En fait, k c'est ez. Il vaut mieux garder la même notation partout. Donc c'est moins sinus θ sur z. Et puis la dérivée de ce terme par rapport à θ. Tout ça c'est constant. Il ne dépend pas de θ. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et donc voilà la dérivée de θ par rapport à θ. Par rapport à phi, bien sûr, ce terme ne dépend pas de phi, sa dérivée est nulle. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est plus cosinus. Donc voilà. Et enfin, la dérivée de phi, il ne dépend pas de θ. Donc sa dérivée par rapport à θ, c'est 0. Et par rapport à phi, vous dérivez juste sinus et cosinus. Donc c'est moins cosinus phi plus sinus phi. C'est moins, pardon, cosinus phi. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc voilà la dérivée de phi par rapport à phi. Donc vous voyez, une fois, l'étape la plus importante, c'est de les exprimer dans la base IJK. Bien, maintenant, je peux calculer la différentielle de chaque vecteur. Et là, il faut bien suivre. J'ai abrégé un peu le calcul. Donc d'abord, c'est ça la définition. R dépend de θ et de φ. Donc vous avez sa dérivée partielle par rapport à θ suivant θ, plus sa dérivée partielle par rapport à φ suivant φ. Ce terme l'a déjà calculé. Ce terme on l'a déjà calculé. Donc il suffit de remplacer. Et si vous remplacez tout ça ici, vous voyez bien que ce terme, si vous déterminez l'expression de Eφ tout à l'heure, de Eθ, vous allez trouver exactement tout ce terme-là, c'est Eθ. Donc c'est moins sinus θ suivant z. Vous pouvez vérifier. Eθ, voilà, moins sinus θ suivant z, plus cosinus θ, facteur de cosinus phi, plus sinus phi. Donc c'est exactement le terme que j'ai ici. Donc ça c'est Eθ. Donc ça me donne Eθ fois d de θ. Et ce terme-là, celui-là, c'est moins. Donc je factorise par moins. Et ça vous donne exactement Eφ. D'accord? Là aussi, ça vous donne Eφ, moins Eφ plutôt. Avec ce moins, ça vous donne plus sinus θ d de phi fois Eφ. Vous pouvez le vérifier là aussi. Voilà l'expression de Eφ, c'est moins sinus phi plus cosinus phi. Donc c'est exactement ce que j'ai ici. Voilà, moins sinus phi plus cosinus phi. Donc c'est bien Eφ. Et voilà la différentielle de E de R. Bon, on peut faire exactement la même chose. Je vous laisse le soin de le faire par rapport à θ. D'accord? Et on trouve la même chose. Dérivée de θ comme suit. Et j'ai pas donné le résultat, mais phi, dérivée de phi, d'accord, comme suit. Donc ça c'est la dérivée de phi. Phi ne dépend que de phi, d'accord. Voilà phi, sa différentielle, ça donne moins d de phi suivant phi. Bon, je laisse soin de faire de θ, c'est exactement la même méthode. Bien. Maintenant, pour exprimer d de OM, donc OM en coordonnées sphériques, c'est R suivant ER. Donc sa différentielle, c'est d de R suivant ER plus R fois d de ER. On vient de déterminer d de ER. Donc il suffit de le remplacer. On a montré que ce Eθ suivant d de θ plus sinus θ Eφ suivant d de φ. Donc vous remplacez d de R ici par sa valeur. Et vous avez un déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Vous voyez bien que si on retrouve ce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo qui correspond aux coordonnées sphériques, la variation de R nous donne un déplacement élémentaire d de R, la variation de θ me donne un déplacement R d de θ, et la variation de φ me donne R sinus θ d de φ. Avec ça, je peux déduire un volume élémentaire en coordonnées sphériques, c'est d de ce déplacement fois celui-là, c'est R carré sinus θ d de R d de θ d de φ. Je peux également déterminer la vitesse en coordonnées sphériques. Il suffit de dériver, de diviser d de m par rapport à d de t. D de r sur d de t, c'est ce qu'on note r point. D de θ sur d de t, c'est θ point. Et d de phi sur d de t, c'est phi point. Donc voilà pour ces deux exercices où on a manipulé un petit peu les systèmes de coordonnées sphériques et cylindriques. Bon, je passe à l'exercice suivant. On vous donne un vecteur en coordonnées cartésiennes. Sa composante, c'est 2 suivant x. Ensuite, 2 suivant x. Et là, 2 racines de 3 de là à là. Et ici, 4. Et on vous demande de déterminer ρ, θ et z.
Bien sûr, Z, elle est déjà donnée, c'est 4. Donc, il suffit de déterminer ρ et θ. Donc là, il suffit de se rappeler que ρ, c'est quoi? C'est x carré plus y carré. Je vous rappelle ici, c'est un triangle rectangle en sous-point. Donc, ρ carré, c'est x carré plus y carré. Donc, je connais x, je connais y, je peux déterminer ρ. Et tangente de cet angle, vous voyez bien que tangente de cet angle, c'est cette distance divisée par celle-là. C'est y sur x. Et y sur x, ça vous donne racine de 3. Tangente θ égale racine de 3, ça veut dire θ égale appui sur 3. Enfin, donc vous avez les coordonnées qui sont ρ, 4, pi sur 3 et 4, les coordonnées cylindriques. On va faire la même chose pour déterminer les coordonnées sphériques. Je vous rappelle, les coordonnées sphériques, c'est r, θ et phi. Toujours r est donné par, donc ici bien sûr, côté opposé c'est r sinus θ, vous avez r θ, donc cette distance-là c'est r sinus θ, cette distance c'est r sinus θ, c'est l'équivalent de ρ en coordonnées cylindriques. Donc, tout de suite on va déterminer d'abord r, qui est x carré plus y carré plus z carré. Donc vous voyez la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphérique, vous avez z, c'est r cosinus θ, donc cet angle-là, c'est r sinus θ. Vous avez x, c'est cette distance, c'est r sinus θ fois cosinus cet angle. Et sinus, c'est cet angle-là. Y, c'est cet angle. C'est r sinus θ, sinus phi. D'accord? Bon, vous voyez bien que si je fais, pour déterminer r, donc on a ses racines de 32, 4 racines de 2. Et pour déterminer θ, il suffit de faire cosinus θ égale à z sur r. Donc cosinus θ égale à z sur r. Donc je peux déterminer cosinus θ, c'est 4 sur 4 racines de 2. C'est 1 sur racine de 2. C'est racine de 2 sur 2. Donc θ égale à pi sur 4. Donc cet angle-là, c'est pi sur 4. Et phi, normalement, on doit trouver pi sur 3 parce que c'est la même que celle pour les coordonnées cylindriques. Et pour trouver phi, vous voyez ici, il suffit de faire tangente phi. Donc tangente phi, c'est y sur x. Donc tangente phi égale y sur x, y sur x, vous faites 2 racines de 3 sur 2, c'est racine de 3. Donc phi égale appui sur 3. Donc voilà comment on passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Donc voilà les relations de base sont ici, qu'on déduit à partir de ce schéma. C'est pas la peine de les apprendre par cœur, il vaut mieux juste tracer un repère de coordonnées cylindriques cartésiennes. De bien représenter les coordonnées sphériques R, θ et φ, tous les autres, vous pouvez les calculer facilement. Vous voyez bien que ça c'est R cosinus θ, ça c'est R sinus θ, qui est ρ R sinus θ. Donc X c'est ρ cosinus φ, donc R sinus θ cosinus φ, et Y c'est ρ sinus φ, c'est-à-dire R sinus θ sinus φ. Bon, pour l'exercice 4, c'est un petit exercice d'application de gradient pour une fonction à plusieurs variables. Je vous rappelle le gradient d'une fonction scalaire. Le gradient, c'est un opérateur qui agit sur une fonction scalaire pour donner un vecteur. Donc, si on travaille en coordonnées cartésiennes, c'est df sur dx suivant i plus df sur dy suivant j. Bon, là, f ne dépend que de x, y. Donc, je calcule la dérivée de. Bon, je rappelle que la dérivée de r, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc, ça, c'est petit r. Ah, c'est la distance OM. Donc, si je dérive racine carrée de x carré plus y carré par rapport à x, ça vaut donc 2x sur 2 racines. Donc, il n'y a pas de z parce qu'on travaille dans le plan xy. Et donc, ça me donne x sur r. Donc, la même chose, dérivée de y sur r, c'est y sur r. Donc, si je dérive f par rapport à x, bien sûr, gradient de f, c'est d de f sur d de x. Donc, je dois calculer à quoi est égal d de f sur d de x. Donc, f, c'est une fonction qui dépend de x et de y. Je l'ai écrit sous la forme de r à la puissance n. Donc, soit vous dérivez ça directement par rapport à x, soit vous écrivez f, c'est r à la puissance n. Donc, quand vous voulez, c'est la même chose. Et quand je dérive par rapport à x, je dérive par rapport à r d'abord, ensuite je dérive r par rapport à x. Donc la dérivée de f par rapport à r, la dérivée de r puissance n, c'est n rn moins 1. Ensuite la dérivée de r par rapport à x, j'ai déjà calculé, c'est x sur r. Donc toujours il n'y a pas de z, puisqu'on travaille dans le plan, c'est x sur r. Et ça me donne n rn moins 1 x sur r, autrement dit nx rn moins 2, n moins 2. Bien sûr, c'est la même chose pour y. Ça va me donner ny r à la puissance n moins 2. Et donc le gradient, je factorise par n r à la puissance n moins 2. Qu'est-ce qu'il va me rester? X suivant i plus y suivant j. Or ça n'est autre que le vecteur r.
Donc c'est nRN-2 fois suivant le vecteur R. Donc voilà le gradient. Donc je rappelle ici, vous pouvez calculer directement d de f sur d de x par f à la puissance n, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1, ou bien passer par cette méthode. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut retrouver facilement le même résultat, mais cette fois-ci, on va travailler par le gradient en coordonnées polaires. Donc, on remarque que f du xy s'écrit sous la forme r à la puissance n, donc je l'appelle ici, cette fois-ci, il devient une fonction de r. Au lieu de f du xy, on va travailler en coordonnées polaires, j'ai une fonction qui ne dépend que de r. Or, le gradient en coordonnées polaires, c'est d de f sur d de r suivant r, plus normalement 1 sur r, d de f sur d de θ suivant θ. Mais comme la fonction ne dépend que de r, elle reste uniquement le premier terme. Donc la dérivée de ça par rapport à r vous donne nRn-1 suivant r. Or, le vecteur ER, c'est r sur r, c'est un vecteur unitaire. Donc un vecteur unitaire, c'est r divisé par son module. Vous remplacez r par r sur r, et ça vous donne exactement le même résultat que j'ai calculé tout à l'heure. Bien. Enfin, dernier exercice, on vous dit montrer que le champ de vecteur V dérive d'un potentiel vecteur. Voilà ce qu'on appelle un vecteur qui dérive d'un potentiel vecteur. Ça veut dire que je peux écrire V égale à rotationnelle de A. D'accord? C'est le cas du potentiel, du champ magnétique. Vous allez étudier quand vous allez faire le magnétostatique que B, il existe pour le champ, chaque champ magnétique, il existe toujours un vecteur A tel que je peux écrire toujours B sous la forme rotationnelle de A. Et donc divergence de B égale à 0, ce qui est l'une des équations de Maxwell. Bien là, il suffit de calculer rotationnelle de A. Donc là, je vous rappelle, rotationnelle de A, c'est gradient vectoriel A. Prenez, bon là j'ai abrégé, les composantes de gradient c'est d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel ax, ay, az, et vous allez, je pense tout le monde, c'est calculer un produit vectoriel. Maintenant, pour calculer la divergence de ces vecteurs, voilà sa composante suivant x, voilà sa composante suivant y, voilà sa composante suivant z. Et divergence d'un vecteur en coordonnées cartésiennes, c'est la dérivée de ax par rapport à x, plus la dérivée de ay par rapport à y, plus la dérivée de a de z par rapport à z. Donc voilà, je dérive cette composante par rapport à x, c'est un scalaire. J'ajoute la dérivée de cette composante par rapport à y, surtout ne pas mettre les vecteurs unitaires. Puis je dérive cette composante par rapport à z. Maintenant, pour vérifier facilement que ça égale à 0, vous voyez par exemple la dérivée au carré de a de z par rapport à y, x. Voilà, dérivée de a de z, je vais la retrouver ici, voilà, moins d carré de a de z par rapport à y, x s'annule. Là, vous avez moins dérivée de a de y par rapport à x, z, vous l'avez trouvé ici, plus dérivée de a y par rapport à x, z. Et pour chaque terme, vous allez trouver son opposé. Et donc, la divergence de V égale divergence de rotationnelle de A égale à 0. Donc voilà. Une série qui va vous permettre un petit peu de manipuler ce système de coordonnées qui vous pose souvent un petit problème au départ, mais avec l'application, les choses deviennent de plus en plus claires, surtout en mécanique. Donc là, vous avez les dérivés des, vous avez vos, je vais j'ai essayé de montrer comment calculer les dérivés de chaque vecteur unitaire par rapport aux angles. Faites attention. En mécanique, on dérive par rapport au temps. Mais la dérivée par rapport à temps, je peux la décomposer. Dérivée par rapport à θ, par exemple, multipliée par d de θ par rapport au temps. Donc voilà, à bientôt donc pour une autre contribution. J'attends toujours vos remarques, vos suggestions et bon courage.